Ladies and gentlemen, today, when unraveling before your eyes what the future will be made of. First, we'll define what deep learning is. Then, we'll show you how its innovative inner working are. Then, we'll show you where it can be used in the real life. Finally, we'll speak about the dangers that lie behind this, what seems to be a wonderful technology. Nous sommes en plein cours d'anglais et pas un bruit ne se fait entendre dans la salle, très attentive à l'exercice du jour. Au bout de quelques semaines de travail, plusieurs groupes d'élèves ingénieurs de l'INSA Lyon ont un défi à relever, présenter en anglais devant une assemblée le poster de recherche rédigé sur une thématique d'ingénierie, un exercice à objectifs multiples, principalement axé sur l'aspect communication. Les entreprises et les écoles remarquent que nos étudiants ont des lacunes en termes de compétences de communication, donc ce qu'on appelle les soft skills. Et l'idée du projet, c'est d'arriver à mettre en adéquation et des objectifs de compétences linguistiques et de compétences de communication. Donc nous, on va travailler en classe autour de comment pitcher une idée, de la communication non verbale, à quel point il est important de cibler différents niveaux de langue selon les médias de communication qu'on va utiliser, puisqu'on ne va pas utiliser le même langage ni le même format quand on va rédiger un poster, quand on va s'exprimer à l'oral, quand on va composer le PowerPoint qui va soutenir notre présentation. Et donc on va essayer de leur faire comprendre à ces étudiants et évidemment mettre en pratique ces différents formats, les objectifs qui y correspondent. Et effectivement, tous les petits trucs qui vont faire que la communication deviendra efficace. Réalité virtuelle, robotique, reconstruction de zones après-guerre ou encore deep learning. Quel que soit le sujet, il faut être captivant, compris et bien noté par ses camarades et son professeur. Un examen de passage stimulant pour ces élèves ingénieurs, très conscients de l'importance de l'enjeu dans leur future vie professionnelle. They wanted to detect if there were enemy tanks surrounding or not. À l'INSA, les enseignants essaient de nous donner cette culture un peu humaniste. Donc depuis la première année, on est étudié à des cours de culture communication, des cours d'anglais comme cela. Donc oui, on s'attendait assez à avoir à passer devant un public donc assez grand, il devait y avoir une cinquantaine de personnes. Et je pense que c'est bien de s'entraîner à parler anglais et de s'entraîner à parler devant un public, puisque c'est ce qu'on aura à faire plus tard dans l'entreprise. Dans le public, certains élèves qui ne bénéficient pas de l'initiative sont venus en curieux et ont pu apprécier le concept proposé par le professeur d'anglais Stéphane Pontarolo. Vu le nombre de pays et de gens dans le monde qui parlent anglais et vu toutes les recherches qui se passent en anglais, donc c'est mieux, oui, je pense que c'est bien de savoir parler anglais, savoir s'exprimer en anglais et savoir aussi comprendre parce que la plupart des nouveautés sont en anglais, donc en ce qui concerne le domaine de la technologie. Devant le succès de ses premières présentations, Stéphane Pontarolo aimerait reconduire ce projet au deuxième semestre et travailler avec les enseignants des départements de spécialité de l'INSA Lyon afin d'affiner les thématiques scientifiques proposées et également mieux pouvoir en contrôler le fond scientifique.